Bonjour et bienvenue sur Pitin Victor TV avec Victor et on se retrouve pour un nouvel épisode de Resident Evil 4. Alors dans le dernier épisode on s'est fait bien éclater, on a perdu beaucoup de munitions, du coup là on est bien dans la merde. Donc je pense que je vais essayer de le tester si je peux continuer de jouer, sinon je serai bloqué. Et dans ce cas là il y aura une petite coupure dans la. Ok, je vais essayer de me retaper tous les trucs que je n'ai pas réussi. Enfin, je me suis je vais essayer de me tout retaper en espérant d'avoir une meilleure. Plus de munitions et tout ça. Bref, excuse-moi, trop de mémoire. Donc voilà, voilà, voilà. Alors on arrive en fait à un moment assez chiant quand même parce que. En fait, en gros, on aura le choix entre soit se taper un endroit avec deux tronçonneurs et plein de zombies, soit se taper juste le vieux golem, je sais pas, enfin, le vieux géant, quoi. Et donc, personnellement, avec deux tronçonneurs, pour moi, c'est un massacre, je me fais violer à chaque fois, donc je crois que je le fais une fois. Je le réussis, oui, je me souviens, mais enfin, je supporte pas, quoi, personnellement. Le tonsonneur, je le déteste tout simplement parce que, ouais, t'es one shot, et puis, voilà. Donc, ouais. Conclusion plus, on peut, je crois qu'on peut rien s'acheter ici, là. On va voir. Acheter quoi ? Punisher, non merci. Lance roquette, spray, non. Optimiser, puis il y a pompe, TLP, je peux. Ah, TLP, c'est bien ça. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts pour bien galérer avec moi. Ah. Enfin, je suis vachement dégoûté quand même. Parce que tout allait bien, j'avais un super bon inventaire, et tout d'un coup, pas plus rien. Enfin, bref, c'est parti, j'arrête un peu de blablabter. Alors, droite. En fait, le colosse, pourquoi il est chiant? Parce qu'il y a Ashley avec nous, en fait. Et... Enfin, moi, souvent, c'est terminé que soit c'est moi qui meurs, soit c'est elle qui meurt, en fait. Et comme vous pouvez voir, elle est conne. Bah... Voilà. Bon, c'est parti, en tout cas. Putain, j'ai bien pris le banc, moi. Ok. Alors on court. Souhaitement bonne chance, hein, parce que là. Voilà quoi. T'es moche et tu pues. Cours, ma vieille, cours. Oh oh oh. Ok, on a à peu près réussi. Ok, on soigne Ashley quand même parce que... Bon, je déteste la soigner parce qu'elle est inutile. Je sais pas du tout combien de balles il lui faut en plus, donc c'est que ouais, c'est deux chargeurs de TMP. Merde.
Elle est morte. Ashley, je te déteste. Ah, continuez, oui. Ah oui, maintenant vous pouvez voir que il y a le petit Victor qui va se trouver là, qui va faire les émotions de moi quand je joue. En gros, c'était une idée de Peter que je trouve plutôt sympa. Ça fait des bons tuyaux qu'il a fait, mais on l'a jamais utilisé pour son vidéo. Donc là, ça va être une première. J'espère que vous êtes contents. Ta gueule, viol de la badette. Soin dans le cul. Chier. Même si j'ai fait 2-3 erreurs pendant une partie, c'était genre du gaspiller les munitions pour les amis augmenter avec le TMP. Là, je regrette à vrai dire donc. Ok. Est-ce que j'ai réussi là ou pas? Oh, putain! Là, je mérite le vieux applaudissement. Ok, il me reste une balle. Super, flingue. En plus là on va arriver au deuxième boss. Ouais, c'est la fête. Donc à la base vous avez aussi la possibilité de fuir mais je trouve qu'il faut le tuer pour gagner de PTA. C'est puis je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup fuir en fait. Là je sais qu'il y a un trésor mais il faut passer de l'autre côté je suppose. Ouais.
faire. Spinal, munitions, munitions, sous. Munitions. Les caisses. Munitions, munitions, spinal, sous, grenade. Ok. Déjà, en plus, utiliser la grenade aveuglante pour l'aveugler et gagner un peu de temps. Histoire de dégratter du moment de rechargement ou sinon faire des dégâts. Mais au final, bah, je préfère quand même les garder et essayer de faire mon max. Donc là, après, c'est juste une question de chance que soit il me chope, soit il me chope pas, soit. Comme tout à l'heure, je l'ai, je meurs comme une conne, soit je survie. Bon, voilà, pour l'instant, c'est plutôt bien passé. Même si je sais pas du tout comment ça se passait pour le deuxième boss. Parce qu'il est. Il est quand même assez dur. Hein. Enfin, en tout cas, il est déjà plus dur que le deuxième big boss. Hein. Hop, hop, hop. Là, parce qu'il y a un document ici à récupérer, on peut se garder. Alors, document. Monsieur le sniper, ouais, pourquoi pas. Ça peut toujours être utile. Hein. Et on sort, on va voir le vendeur, parce que là, je dois bien améliorer mes shit. Welcome. Got a selection. What are you buying? What are you buying? Tempé canton. Voilà, c'est parfait. Du coup, comme vous pouvez voir, ça me fait gagner directement 50 munitions de plus en fait. Je sais pas si vraiment. Non, je pense pas que c'est un bug. C'est juste que les mecs, ils ont programmé ça comme ça. Et quand on le sait, c'est plutôt pratique. Surtout quand on a le magnum ou les munitions. On les obtient limite jamais. Et donc c'est un bon moyen pour récupérer les missions du magnum quoi. Donc voilà, évolue. Ensuite on monte. Là, passage que j'aime bien faire avec le snipe. C'est comme ça après on est tranquille. En gros, on va prendre les trucs là, et il y aura des zombies qui vont nous balancer des hachettes, et puis il y en a qui sont tout en haut sur les toits. Voilà, qui... Oula! Oh non, mais dis pas que. Ah, c'est bon. Juste un petit souci avec la manette en fait. C'est bon. Donc, toi, mon vieux. Boum! Et merde. Donc ils sont plus là. C'est parfait. Je les tiens bouffe de l'herbe. Comme ça tu me casseras pas les couilles. Flingue, flingue ou mitraillette. Flingue ou mitraillette. Allez la mitraillette. Ça sera plus sûr. Monter. Donc ouais. En gros ouais, le but c'est d'essayer de les tuer avant que eux puissent arriver. On va vous avoir. Donc faut juste les toucher une fois, après ils sont pas morts. Mais... Voilà quoi. Bon, passer sur l'autre, il y a encore un, non, si, j'avais pas vu. Et voilà, normalement tout va bien, on a plutôt bien réussi. Oui. Alors, donc oui, pour cet épisode, je pense que je vais essayer de battre...
donc le dernier boss. Et puis dans le prochain épisode, ça va être le début du château. Et oui, le château où je vais pouvoir enfin avoir une de mes armes préférées, le lance-mine. Ah, je l'adore. Il y a beaucoup de gens qui ne le jouent pas. Ok, moi je trouve qu'il est plutôt pratique parce que ça vous fait une grenade en fait. Même si, ouais, c'est vrai qu'il prend beaucoup de place quand même au niveau de la valise, mais bon, moi je trouve que ça vaut le coup personnellement. Ah oui, c'est que c'est dans le mode chez Ada que faut actionner ça et tout ça. Moi je l'ai pas vraiment besoin. Hein. Et ici. Je me souviens jamais, mais je crois que tu peux laisser Ashley là en fait et faire tout le reste toi-même. Wait. Voilà. Faut que je me débarrasse s'il y a peu d'animation du flingue. Parce qu'en fait, ça plutôt un moment où on peut avoir des trésors. Les gars, celle-là, je l'ai pas vraiment besoin. Allez, lève-toi. Bien, il y a des mecs qui ont monté, je crois. Ou pas. Oh, ça fait longtemps que je peux pas jouer. Je crois que c'est à partir du moment où on prend le truc. Moi, je sais ce qui était pratiqué par ici. Moi, mais je vous dis pas. Et le dernier œil. Ce qui fait que l'autre shop, il est fini. Du coup, on pourra le revendre. Je crois qu'il y avait des zombies qui venaient en renfort. Follow me. Allez Ashley, bouge ton petit cul. Discrétion, niveau maximum. Et voilà, le vendeur vend le boss. Il y a pompe. Fusil à pompe, on en aura plutôt bien besoin. Et puis, niveau diminution, il me reste 200. On se plutôt dans. Je sais pas si on voit que ça. C'est un truc que peut-être que je peux m'acheter. Ok, spray, non. Fusil à pompe, TMP. Ok. Bon bah j'ai un dit alors. On va recharger le snipe. Et on se regarde ici. Tout simplement parce que ouais, j'ai peur de crever et puis faire une coupure ou quoi. Voilà. Voilà. Comment principal, ça fait longtemps que je peux pas faire. Principal, en principal, TMP, ouais, TMP, ça rend bien. Ça va très très bien, même. C'était mon bon chance encore une fois. Hein? You better stay outside. Ashley, go hide. Yeah.
Il y a une mort, c'est con aussi ici. Hasta luego. Pourquoi il y a ces marqueurs d'espagnol, le truc? Pose pas de questions, Victor. Le boss il est plutôt lent. C'est juste qu'en fait là je veux pas parce que ça fait depuis un bon petit moment que je l'ai pas fait. Oh, il m'a calmé. Il m'a calmé. Et je presque plus de soins. Pas envie de vous faire des heures. Oula! Oh, on se calme, jeune homme. Ouh! Bon, il y a 9 à moins. Ok, première fois morte. Et c'est parti pour la deuxième fois qui est putain de chiante. Je suis vraiment mauvais là. Je suis très mauvais, ça soit que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Bon, vous m'excusez. Tonton Victor veut mourir. Il fait son émo dépressif. Simplement tous les sons que je vous disais. Ah bah voilà, c'est fait. Continuez. Oui. Excusez-moi.
le CI à coup de flingue aussi. Et merde. Oula. Et oui, c'est mes pouvoirs de masturbation qui permettent de prendre autant la manette en fait. Oui, blague nulle, je sais. Oh! Et maintenant je vais essayer un coup de TMP. De ma part. Très très mauvais de ma part. Bon, le TMP je pense. Ouais, c'est bien. Je vais à coup de TMP. C'est fini. Oh putain. C'est fini et c'était pathétique. Œil des verres. Et plein de sous. On va récupérer toutes les merdes qui traînent ici. Tout le shit qui traîne par-ci par-là. Herbe, herbe.
Comme une arme rouge qui traîne quelque part, si je me souviens bien. Munitions, grenades, herbe. C'est à peu près tout, non, je crois. C'est à peu près tout. Hop. Ok. Attention. Aïe. Why you do this? Il est où la sortie? Are you okay, Leon? Oui, tout va bien, je l'ai vu. Oui. Arrête de chier dessus. Donc, oui, je pense qu'on va arriver au château. Et ce sera la fin de cet épisode. De cette partie de Resident Evil 4. Parce qu'en gros, après, c'est dans le château. Une partie un peu plus ennuyant, j'ai envie de dire. C'était pas la meilleure. C'était vraiment la première où il avait le plus d'ambiance. Bon, ça, je n'ai déjà parlé dans les anciens épisodes. Du coup, aussi, un truc qu'on va faire. Trésor. Ce qu'on va faire, on va faire combiner. Shop, combiner, shop. Et on va faire. Non, combiner, examiner. Et voilà une magnifique shop qui est parfaite, qui vaut très cher. Combiner. Avec le masque. Ça manque un seul, voilà. Du coup, le vendeur. Yup, yup, yup. Donc pour le prochain épisode que je vais sortir, ce sera de nouveau après cette persière. J'espère que ça vous a plu le premier épisode déjà. Sachant que le deuxième ça va être beaucoup plus marrant. Enfin j'espère en tout cas. Voilà, voilà, voilà. Et sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi? Bah, la communauté des steaks, il sert aussi pour plutôt bientôt, je pense. Parce que dans le qu'on a tout fini, il m'en manque juste un moyen pour faire les voix. Juste un moyen pour faire les voix et les enregistrer. Et puis, on peut faire le premier épisode. Et voilà, c'est à ça que ça sert le en fait. C'est quoi le mot stupide? Et c'était putain de prévisible. Mais bon, hein. Bon, là, on arrive à un passage que je déteste en particulier, à vrai dire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a plein de zombies. Et une voiture. Voilà. Ce que je dois gérer. Voilà, ça je dois gérer. Là, je gère pas du tout. Là je gère. Et ensuite pour la suite, fusil à pompe, parce qu'on n'aura plus besoin de lui. Cours ma belle. Cours, 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 cours. C'est cool, ça j'ai même pu garder les deux œufs. Ça me sauvait le cul, ça. Et voilà. Ils sont tous morts. Moi, moi. Ça commence à laguer. Oulololo. Heureusement qu'on arrive à la fin.
side of the bridge. Yeah. I got it! You take that one. Okay. Ready? Come on. Yeah. Fin du chapitre. On l'a réussi, on est arrivé au château. Donc sur ça, je pense que je vous dis merci d'avoir regardé. Continuez de regarder nos vidéos. Et à la prochaine sur Peter Victor TV.